appelle à Marasma. Un ancien fonction d'honneur, je suis à la retraite. Ok. Le gouvernement a été appelé à 3h du matin. Les bannis sont venus et dotés au nombre de 8. Les 5 sont rentrés la cour. Les 3 sont rentrés avec les fusils et Maca. Ils étaient arrêtés à la porte. Les enfants, deux étaient là, l'autre est assis. Ils regardent la télé et le petit lui était couché. Il dormait, il s'est levé en criant Bani, Bani. Maintenant, on ne sait pas, Bani même est rentré. Ils ont rentré ici, ils ont pris son téléphone. Parce que le téléphone, avant que chose. Après, ils ont sorti, lui, il dit Bani, Bani, ils ont sorti, ils ont arrêté à la porte. Maintenant, il est venu ici avec la canne, une canne là. Il voulait le jeter sur lui. Et ici, si tu parles maintenant, il veut tirer sur toi. Maintenant, il est arrêté. Avant que moi je sorte en culotte, il a tiré. L'enfant est tombé avec une balle de pain macabre, important. Le petit, il a quel âge? Il a 21 ans. 21 ans. Un étudiant, il faisait 3e année cette année à l'université de Chambonia. Il faisait l'économie. L'acte s'est passé à quelle heure? 3h du matin. Il n'y avait personne au salon? Il était là, il y avait son grand-père qui était à côté de lui. Est-ce que vous avez contacté les autorités? Les autorités viennent d'arriver, ils ont quitté. La police, ils ont venu pour faire le constat. Le commissaire de Matoto. Depuis qu'il a tombé, on a envoyé son corps à Yassine, à Sos, à PAC. Depuis, on est parti à Yassine, il n'a pas reçu, il dit qu'il n'y a pas de place. Après, là-bas, on est venu au camp. C'est le camp là-bas qui l'a rendu là. Et que comptez-vous faire? Ah, on ne sent pas en sécurité. L'État nous a dit à le quartier Sangoya, on s'est balé. Vraiment, nous ne sommes pas en sécurité. Il faut mettre ça dans la radio et la télé, vous mettez ça. Nous ne sommes pas en sécurité. Il n'y a qu'à mettre le PA dans le calife. Sinon, les bandits. Il n'y a qu'à faire des patrouilles la nuit encore. Il n'y a pas de patrouilles. Je compte porter plainte, j'ai même écrit. On a porté plainte. Contre X. Contre X. À 4h du matin, mon frère m'a appelé que les bandits sont venus rentrer chez lui. Qu'ils ont tiré sur un de nos garçons. Qui fait la 3e année universitaire d'économie finale. Donc moi aussi, je me suis rendu sur le lieu. Le petit a été pris, on l'a envoyé à PA de Saint-Moula ici. Et ils ont fait quelques entretiens. Donc, je suis l'envie de l'envoyer à Yassine. On l'a pris là-bas maintenant pour Yassine. Yassine nous dit là-bas qu'il n'y a plus de place. Et il y avait les trop de sable. Le fait de le prendre à Yassine pour le camp Saint-Moula maintenant, c'est là-bas qu'il a rendu là. On lui a dit de le retourner encore à la morgue. Maintenant, là, le corps se trouve à la morgue de Yassine. Pour l'autopsie. On attendait aussi le médecin légiste. Parce que la manière dont l'agence a été venue, tous armés, avec les pères à Maca, en Syrie, ouais, d'autres en culottes, ouais, d'autres en casquettes comme ça. Pareil, ils ont venu en 8. Donc, les 5 étaient restés dehors, à 3 qui sont rentrés à l'intérieur. Ils ont tiré notre garçon. Son père était à côté. Lui aussi, il voulait prendre son garçon. C'est Dieu qui l'a sauvé lui aussi. La Kenya qu'ils ont tiré sur le petit et ils se sont retournés. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
Nous faisons tout la population, nous avons dit que 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 nous avons Il a fait un téléphone. Je ne sais pas si je suis un homme.